Salut à tous, on se retrouve pour ma carrière avec le Rapid de Vienne. On est en quart de finale de la Coupe d'Autriche. On affronte le SV Horn. SV Horn qui est en Regionalliga Ost, donc la Ligue régionale de l'Ouest. L'objectif de nos dirigeants est d'atteindre la finale de cette compétition. A priori, le SV Horn joue en 4-2-3-1. Alors, Djelic, comme vous l'avez vu lors du dernier match, est blessé. Petite blessure au visage. Il est absent pour encore 2 à 3 jours. Maximilian Hoffmann est également encore blessé. Et Stefan Stangl n'est pas encore complètement remis. Alors là, il me met titulaire, mais je vais plutôt faire jouer Schimmelsberger. Et on bascule, comme le dernier match, Schimmelsberger et Pavelic. Pour le reste, ça ne change pas. On garde l'équipe type. On garde l'équipe type ou peut-être pas. Est-ce que je ne ferai pas rentrer Nuts pour faire reposer un peu Graovac qui n'est qu'à 91%? Si. Je vais faire ça, je vais faire jouer Nuts un petit peu. Je mets Graovac sur le banc, Uspek. Là, ça fait beaucoup de défenseurs. Je vais peut-être mettre plutôt Stephen Hoffman, puisque de toute façon, Schrammel n'est qu'à 74%. Ouais, on va partir là-dessus. Au niveau du tempo, on va mettre contrôlé. Motivé. Alors mon adjoint, oula. Retour au mauvais pied. Alors le temps est à pluie. Leitner, Schwab, qui s'empale dans le milieu défensif. Attention, Vujanovic, Vujanovic. Voilà, c'est. Non, c'est possible ça. On prend un but d'entrée de match sur ce ballon perdu. Et là, c'est cafouillage, Treminger. Après, c'est contré par l'attaquant. Et là, Strevinger qui s'est pas remis sur ses appuis. Ça commence bien. Thibon. Pets. Nets. Nets. C'est récupéré par Schipperberger. Nets. Schaubberger. Schwab. Schwab pour Schaub. Schaub pour Schaubberger. C'est arrêté par Termann, le gardien de Horn. Schaubberger sur le corner. Petsos qui récupère, qui frappe. De nouveau un corner. Schaub. Ça va être dégagé à la défense. Tott qui dégage en touche. Corner à nouveau pour Schwab. Pas de sur les corners. Petsos. Schimmelsberger. Sonnleitner. Correa qui met n'importe où la balle. Petsos qui fait beaucoup d'erreurs. Attention. Allez! Oh là là, mais c'est quoi cette défense là? Petite causerie d'équipe. Agressif. Portez-vous l'attaque. Schwab. Allez, Schaub là.
récupère pour Nuts. Nuts qui décale côté gauche, Schwab. C'est compté. Niveau des notes, ça donne. Ouais, pas du tout. Il y a une version. Thomas qui a essayé de récupérer de cette erreur. Bosberger. Ah, mais il faut frapper. C'est pas des passes qu'il faut faire au gardien. Bon, ça saute dessus. Vichage. Bozevic encore. Qui retrouve Vichage. Joric. Et Stremi qui se couche bien. On n'y arrive pas. Encore une fois. Un match où on n'arrive pas à faire le jeu. On n'a pas la possession de nouveau. On va se mettre en offensif. Et dans les arrêts de jeu. Et c'est la mi-temps. Ça va être la mi-temps. Sans pas faire beaucoup d'effets. Une Heitner. Et Nuts. Schwab. Schwab, Schwabsberger. Des côtés droits, Schimpelsberger. La défense qui arrive à se dégager. Relance rapide. Une faute de Petsos. Petsos qui se prend un jaune. On arrive à la 60e. Il se passe toujours rien. On va faire les changements. On change les ailiers. Schimpelsberger, Hoffman, Peck, penalty. J'ai trop compris ce qui s'est passé. Mais on a l'occasion de revenir à égalité. C'est Hoffman qui va se charger du corps du penalty et il le met en force. Frappe force. Et on revient à égalité. Allez, il reste 22 jeux à peu près. Schimpelsberger. Hoffman. Hoffman qui a juste mal passe. Djuric. Milosevic. Bujovic. Djuric. Milosevic. Ça passe tout là. Dibon qui s'interpose. Qui lance directement sur Correa. La temporise. Lance sur la gauche. Uspek. Uspek qui Correa. Et c'est diamant sur le gardien, malheureusement, c'était bien né. Est-ce qu'on va faire un dernier changement? Allez, on va mettre Kravac à la place de Nuts. Pour les 10 dernières minutes, Streminger dégage, Pavelic. Kravac, Kravac, Kravac encore, plein centre, Kravac, qui c'est pas cadré. Schimpelsberger, ça va être rien, non, Schimpelsberger récupère, Max Hoffman, et Correa qui ne cadre pas, 2 minutes de jeu, et c'est la fin du match. On va commencer les prolongations. Je ne peux pas me satisfaire du spectacle. Dentaler, Tot, ça ne donne rien. Tommy Correa qui se blesse. Et Sonnleiter qui marque de la tête sur corner. Alors, je peux faire sortir parce que j'ai fait
tous mes changements. On va le maintenir. Ignorer. Un peu dangereux, mais bon. On pliche en sim les arrêts de jeu. A priori, court à porter ses fruits. Et du coup, je vais quand même faire sortir Tommy Correa. Est-ce que ça marche? Ça marche pas a priori. Attention quand même là, Janovic, non, qui est contré, mais c'est réglé par Kogler, Joric, Elsberger qui dégage, c'est dans la défense. On va souffler un peu, on va faire un rythme beaucoup mieux, moins élevé, moins de pressing. C'est la mi-temps. Cravache pour Correa. Espace. Pavelic à la touche. Sauce. Pavelic. Schwab. Schwab. Côté droit pour Schipperger. Hoffman. Kovac. Ça sort en corner. Ça va être dur de rendre après. Là, c'est bon. Dans les organismes là. Dos, Pavic. C'est dommage qu'on ait dû attendre la prolongation pour plier ce match. On rejoint quand même. Bon, c'est pas fini. C'est bien capté par Streminger. Allez, fin du match là. Janovic, Takaki. Janovic. Djuric, Saki, Tot, Djuric, Komisik, Tot, Djuric, Vichaj, Vujanovic, Saka qui vient trouver ça pour faire et Streminger qui fait rempart. Balle sortie du gardien. Il va boucher l'angle. Il jaillit, s'emparer du ballon. Pavelic. Pek, ouais, qui se fait prendre le ballon. Vujanovic, Djuric, Sakaki, Kogler, Kogler, Tot, Chaka. Ça passe au-dessus. Allez, fin du match là. Ça va être la fin du match. Soinader, Pavelic, balle en avant, Uspek, Correa, qui balance en touche. Et c'est la fin du match. Alors, l'adjoint qui dit nous pouvons être satisfaits de ce qu'on a montré, ouais. Bon. Finalement, voilà, on a quand même largement dominé notre adversaire. Mais bon, on a eu du mal à s'imposer. 22 tirs, 13 cadrés. Donc on aurait dû largement plier le match bien avant. Et du coup, on se qualifie en demi-finale contre le Sturmgrass. Et il reste l'Austria Salzbourg, Mattersburg. Donc ils sont dans la même division que nous. Et Wacker aussi. Ah non, c'est l'autre Wacker, c'est un autre Wacker. Donc en fait, eh ben, il reste Sturmgrass, Mattersburg, qui sont en première division autrichienne. Tous les autres clubs, sinon, sont des clubs plus faibles, soi-disant plus faibles. Et le tirage au sort se fera ici
Donc le dimanche 14 février. Voilà, et ben on va faire une ellipse pour aller jusqu'au match contre Mattersburg avec un effectif qui est forme physique qui est bien entamée. Mais bon, on a du temps pour récupérer. On a quelques jours, on a 4 jours pour récupérer de ce match, ce long match. Voilà, on fait une petite ellipse. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, nous devions jouer contre Mattersburg. Mattersburg qui jouait son match de quart de finale de la Coupe d'Autriche un jour après nous. Donc, a priori, ils ont gagné leur match hein, plus facilement que nous. Ils ont gagné 3-0. Donc, ils avaient un jour de moins pour récupérer. Et, coup du sort, vous voyez le message. Le match a été repoussé à cause de grosses chutes, pardon, de neige sur le terrain de Mattersburg. Et du coup, le match qui devait jouer donc le 13 février est décalé de 10 jours. Ce qui a pour impact pour nous de décaler donc le championnat. Et on va jouer 3 matchs en une semaine. Et on continue encore sur ce rythme. Vous voyez qu'on joue assez souvent. Et d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a plus de jours pour récupérer après notre match compliqué contre le SV Horn. Mais dans le même temps, vous le voyez, donc Tommy Correa s'est blessé 2 à 3 semaines. Stephen Hoffman, saison terminée. Et même, je pense, carrière terminée. Le joueur de 35 ans, notre joueur historique, absent 8 à 9 mois pour une entorse des ligaments croisés. Donc là, déjà, il est arrivé en fin de contrat chez moi. Il se blesse gravement. Donc là, sa carrière est malheureusement terminée. Djelic revient. Donc voilà, ça va. On retrouve notre attaquant clé. On va dire ça comme ça, faut pas l'appeler comme attaquant vedette. Et donc, ben, pas de match pour tout de suite. Par contre, je vais avancer. Vous voyez que d'autres matchs aussi sont décalés, hein. De mars. Ah, ils ont décalé la rencontre à cause de nous. Bizarre. Mais soit. Donc on va aller jusqu'au tirage de la demi-finale. Tirage. Et on va regarder le tirage au sort. Tirage auto. Alors, pour la demi-finale. Sturm contre Wacker Innsbruck, équipe de D1. Et nous, on joue à domicile. Et on va rencontrer Mattersburg. Donc, il reste 3 équipes sur 4 qui jouent en Tipico Bundesliga et le petit poucet, on va l'appeler comme ça, le Wacker Innsbruck qui va jouer à Sturm Graz. Voilà, ben, donc le Mattersburg qu'on devait rencontrer en championnat, et ben on va les jouer encore une fois de plus et ça se jouera le 19 avril, donc grosso modo dans 2 mois, mais on va se retrouver. Je vais refaire une ellipse pour jouer contre Wolfsberger à l'extérieur. Wolfsberger qui sont quatrième. Voilà, à tout de suite. On se retrouve pour le match de Tipico Bundesliga contre Wolfsberger, qui se présente dans un 4-2-3-1. Wolfsberger 5e au classement.
Alors, contre nous, on a un match nul et ils ont perdu un match. Au niveau donc des blessures, Tommy Correa, comme vous l'avez vu, est absent pour encore une douzaine de jours. Stephen Hoffman, on l'a vu, et Linka s'est aussi blessé. Une petite blessure, il revient d'ici un ou deux jours. De toute façon, il joue pas très souvent. Au niveau des retours, Maximilian Hoffman est de retour. On va jouer avec Pavelić côté droit. On va le mettre en intérieur, arrière latéral auto. Bon. Défenseur strict défense. Strict couverture. Stangl. Arrière latéral automatique. Ensuite. Sauce, milieu défensif, défense, ça on laisse, et tout le reste on laisse aussi. On va se mettre en contrée, structuré, en consigne, rythme normal. On va jouer un jeu large, plus court, beaucoup moins de pressing, et on va essayer de conserver la balle. Joueur clé Jacobo, a priori il sera pas titulaire. Non. Alors, Elquist, pressing, tacle dur. Dribble beaucoup. Mettre tacle dur dessus. Il tire souvent. Meilleur pied les deux. Ça sert à rien. Les deux aussi. Et le cuist. Par contre, lui n'est que droitier. J'hésite à faire le pressing sur lui. Si on va me laisser ça. Par contre, on va enlever le marquage strict. Par contre, on va le mettre sur Silvio peut-être. Pas de chance, fait un match plein. Alors, pour l'IMEST. L'IMEST, on une tour. Ça joue vite. R côté droit. L'IMEST. Là, Neg, Olboa, au centre pour Sylvie. C'était dangereux. Laimer, Solboa, Chaube fort, Laimer, entre des angles, Olboa, Twist, petit Nitzik, et ça passe juste à côté. A priori, c'est par un défenseur. Laimer, Solaire, de la tête, Streminger, qui capte son trop fort. A priori, on n'est pas bon dans les passes. Allez, on se fait manger là. 60 possessions. Quart d'heure. Weber, Neg. Ouais, on sort pas la tête de l'eau là. Monter à 68. Peut-être. C'est sûr qu'on a rien. Il fait l'effort. Angle. Bon. Pour Paveli. Paveli. Raoval. Schwab. Schwab. Schwab encore. Pour Schwab. Schwab qui en face. Franger pour Kerr. Le de Wolfberger. 25e minute de jeu, Laimer au cran, petit personne OR, R, R, L, Q, pour son R, l'arrêt, hop, du but, Jelic, en point, Boris, donne derrière pour Gravovac, souche, L, contré, pitch, qui est contré à sourd,
Neg, Weber, Snig, Weber, les calcotés d'Olboer, Santé, Centre en Rotcherneg, Vecherneg, Depardibon, Elquist, Silvio, Transversa, Estremi, pas bouger sur le. Capte ce ballon et calme le jeu. Minute de jeu, pour Stang, Sauce, Show, en profondeur, Grauvac, droit pour Pavelic, Selic, et Old. On a bien combiné. 10e but pour Jelic sur ce centre de patch qui a vu un poteau. Jelic était un peu seul et qui provise l'alignement de l'Ads pour inscrire son 10e but de la saison. 30e minute, on mène 1-0, complètement contre le cours du jeu. Même si on a le même nombre de tirs cadrés, Petsos au coup franc. Dans le mur, Lich, Petsos. On va arriver à la mi-temps. Leimer à la touche. Ster qui se verse Sylvie par la défense. Schauersberg était droit qui remet Lich dans la. Qui ne. Malheureusement. Ça va être la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. Encourager les joueurs. Est-ce que j'utilise? Avec assurance, je vais faire, ça se passera pas de mal, mais je sais que vous pouvez faire mieux. Kravac est nerveux. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix pour le moment. On s'en sort bien en première mi-temps, pas du tout mené au score, on va pas s'en plaindre. Allez, Pavelic quoi. Pour Jelic. Pavelic, Kravac, Schwab, Schwab, Tacler. Stang le côté donne à Schwab, au Vach qui se défingue. Jelly, ça sera un quart. On est retiré par Schwab. Vers Dibon, on prend le ballon. Pavelic. Stang. Haute passivité. Non, Dibon. Il balance. C'est perdu. Commence. Schwab contre J. Schwab. Watch. Schwab. Schwab encore. Watch. Watch pour Schwab. Krauer. Qui B. On va arriver à l'heure de jeu. Pas là. Pas là. Oula. Silvio qui fait n'importe quoi. Heureusement. Jacobo qui rentre. Attention. Alors. On va faire une petite pause tactique. Consigne particulière. Jacobo est rentré côté droit. Alors il tire beaucoup, il cadre beaucoup. Donc on fait le pressing. On tacle dur. On fait jouer du mauvais pied. Et ça, une faute. Il reçoit juste un avertissement. 70e minute de jeu. On va faire quelques changements. Alors, qui c'est qui n'est pas vraiment à la hauteur? Schauersberger. Et on va faire entrer Schramel à la place de Schaub. On va essayer. Par contre, j'ai peut-être fait une bêtise parce que Schramel. Est-ce que c'est meilleur de l'autre côté? Non, ça change rien. Si on le met là, ça va un peu mieux. Faire une tactique un peu bizarre. On revient et Sol qui se fait, qui se prend un carton. Intense corner de Jacob. Lumière qui se couille.
Oui, confirme les changements. On n'avait pas fait les changements. Sabouer qui se prend un jaune. 80e minute de jeu en défense et en trait. Attention à Bakobo qui égalise. Malheureusement, égalisation avant les changements. Où je repasse en compte. Pas là, là, qui fait le centre et là, je... qui dépoche, qui se défait de son marquage. Attention, Bakobo encore. Là, qui avec Djelic. Qui temporise. Ah, c'est trop mal donné. Et attention, de ce côté, Tcherneg. Zun, côté droit. Remis pour Tcherneg. Barré de Streming. Allez, Bobo, Omer. Nouveau. Tiré par Pal Jacobo. Qui rentre dans la surface. Ça ne donne rien, a priori. On est à la 88e. On va faire un dernier changement. Pavelic. Mettre Schimpeisberger à la place. Deux minutes de temps additionnel. Voilà, on arrive à la fin du fini. Match nul contre Wolfsberger. On s'en sort pas trop mal. Gravatch homme du match. Aurait dû remporter ce match, même si sur l'ensemble du match le score nul est mérité. Même Wolfsberger aurait mérité de gagner. Vous voyez 14 tirs subis, dont 5 cadrés, 56% de possession de balle. Des scores au-dessus de nous, et pourtant voilà, ils avaient seulement 7 en note moyenne, alors que nous on est à 7-14. Un match un peu bizarre, mais on s'en sort avec un match nul alors qu'on a été dominé dans ce match. Et donc on se retrouve avec 11 points sur les Red Bull. On va regarder les Red Bull qui jouent le lendemain. Est-ce que si je fais... Ouais, on va avancer là. Non, bon, je vais faire une petite ellipse. Je vous donnerai le résultat du match quand on abordera le prochain match. Voilà, ben merci de votre visionnage. Merci de me suivre, vous pouvez liker et partager la vidéo. Merci à tous, salut.